Good morning. Allez, Yidden et Sus, aujourd'hui le Nishmat Esther, Bat Miriam, Yaakov, Ben Levana, Ve Yosef Akab, et Robert Baruch, Ben Jamil Tarab, si vous souhaitez, aussi de la prochaine étude de Mishnah, contre 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet, Eruvin, Perek, Chet, Mishnah Vav, Bor, Sheben, Shtei, Chatserot. Ed Memalin, Mimenu, Beshabbat, Ela Imken, Asulo, Mechitza, Gvoha, Asarat Fachim, Ben Milemala, Ben Milemata, Ben Mitoch Ogno. Aban Shimon ben Gamliel Omer, Bet Shamay Omrim, Milemata, ou Bet Ilan Omrim, Milemala, Amar Rabbi Yehuda, Lote Mechitza Gdola, Minakotel Shebeneem. Et on explique directement, Bor Sheben Shtei Chatzrot, il y a un puits qui se trouve entre deux cours. Soit, on a deux voisins, on a la barrière de séparation entre nous, mais on a en plein milieu un puits qui nous sépare. Donc du coup, on ne se dispute pas, ça va, c'est pas la peine de poser la grosse pierre comme à l'époque de Yaakov. On a un puits qui nous. On puise de l'eau tous les deux, il y en a assez pour tout le monde. Mais concrètement, là-bas, vous comprenez bien qu'on n'a pas construit de mur entre nous, parce qu'on a le puits qui est là. La question maintenant qui se pose, c'est est-ce qu'on a le droit de puiser de l'eau pendant Shabbat? Quel est le problème? Le problème, il est que faire passer d'un réchout à l'autre, c'est interdit. Au moins, faire entrer dans la maison. On ne va pas rentrer dans cette marloquette qui est assez délicate. En tout cas, venez, on prend aucun simple. J'ai pas le droit de prendre maintenant ce qui est chez lui, puisqu'on n'a pas fait de hérouv entre nous, on n'a pas de porte entre nous, j'ai pas le droit de prendre les objets de chez lui et les faire entrer chez moi. On n'a pas fait de hérouv ensemble. Du coup, maintenant, on a le puits en commun. Le puits, il y a un problème. S'il est entre nous, alors il y a, en théorie, la moitié de l'eau qui est à lui, la moitié de l'eau qui est à moi. Donc, si j'avais la possibilité de prendre que mon eau, alors tout irait bien, je pourrais prendre mon eau et la rentrer chez moi. Le problème, c'est que je vais aussi prendre son eau à lui. Lorsque j'ai puisé, d'accord, l'eau, ça se mélange. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir permettre ce puits? C'est l'objet de notre Mishnah. Bor Sheben Shtei Chatzrot, un puits qui se trouve entre deux cours. En Memal'in Mimenu Beshabbat, on ne pourra pas remplir de ce puits pendant Shabbat. Ela Imken, sauf si, Asulo Mechitza Gvoa Asarat Fachim. Alors je vous explique très rapidement dans l'oral, et après on voit ça dans les mots, ça ne va pas être très compliqué. En théorie, l'idéal c'est de construire une vraie Mechitza qui va nous partager l'eau en deux. En réalité, c'est même pas la peine d'en faire autant. Puisque l'interdit de porter les queues midarbanan, on va te demander de faire un semblant de mechitza. On ne va pas te demander de faire une mechitza qui va complètement bloquer l'eau, qui va plus y avoir d'eau qui va rentrer. Mais qui est au moins une séparation à l'intérieur de l'eau. Et sur ça, on va avoir trois possibilités. Soit tu construis un mur depuis le fond du puits, et tu le montes sur une hauteur du 10 tefar. Donc maintenant, ça y est, ça fait que l'eau maintenant le puits les sépare en deux. Et c'est une coula qu'on a fait. Soit même, c'est pas la peine de mettre le mur en haut, en bas. Tu peux même le mettre en haut, et il y a encore trois possibilités. Soit tu le mets en haut, qui trempe quand même un petit peu dans l'eau, comme ça, ça laisse une impression que l'eau, elle est réellement séparée en deux. D'accord? Il y a l'eau de chez lui et l'eau de chez toi. Soit il y a un peu mieux que même, c'est pas la peine du tout que ça touche l'eau, mais quand même que ça rentre quand même dans l'espace du puits. Soit que tu mettes la barrière tout au-dessus. On va voir les trois avis dans la Mishnah, il va y avoir à boire et à manger pour tout le monde, ou plutôt à boire pour tout le monde. Alors la Mishnah me dit comme ça, et la Imken Asulo Mechitza. Petite précision quand même importante, histoire de comprendre ce jeu qu'on fait à faire semblant, comme si que, il faut juste faire un semblant de dos, mais concrètement, même si l'eau elle va venir, d'abord premièrement, une halakha bien claire, si vous mettez un grillage entre vous, on n'a pas de problème que l'eau concrètement elle va passer. À partir du moment où il y a une séparation dans l'eau, alors ça fait que chacun épuise chez soi. C'est un peu délicat à comprendre, je comprends la difficulté, parce que si le problème c'est de faire entrer l'eau de chez lui, tu la fais rentrer chez toi, alors que ça change, tu mets un grillage, l'eau elle va de toute façon passer, tu vas de toute façon prendre son eau. Il faut quand même savoir que de l'eau qui jaillit d'abord, la Gemara nous dit, alors on aura l'occasion de le découvrir dans le prochain Mishnayot, de l'eau qui jaillit par exemple, on a le droit de la prendre pendant Shabbat, même si, par rapport au problème, ou même un fleuve qui passe, on verra, l'eau qui se renouvelle, par exemple, j'ai une rivière qui passe chez moi, par exemple, un petit bout de rivière qui passe, j'ai le droit de puiser cette eau, même si c'est de l'eau qui n'était pas chez moi. En théorie, on n'a pas de problème si l'eau, tant que ce n'était pas quelque chose qui était vraiment quelque chose de fixé chez lui. J'ajoute, j'alourdis un petit peu, mais ça laisse juste, histoire de comprendre que il y a quelques petites permissions qu'on fait par rapport à l'eau, même si concrètement, elle se trouvait chez lui. D'accord? Alors maintenant, la Michelle me dit comme ça. Pour, malgré tout, on te demande de faire un semblant de séparation, et on fait une coula. À partir du moment où tu vas avoir un mur qui va faire un semblant de séparation entre vous, donc, Elam Kena Solo Mechitza, sauf si vous lui faites une Mechitza qui est Gvoa Asarat Fachim, qui a une hauteur de 10 tefar, parce que n'importe quel Mechitza, n'importe quel mur, il doit faire une hauteur de 10 tefar. Et là, la Mishnah me dit, Ben Milemala, Ben Milemata, que tu le mettes en haut, le partenaire nous dit, tu le mets en haut, au-dessus de l'eau,
mais qui baigne un petit peu dans l'eau. Ça veut dire que tu le fais 9 tefar au-dessus et un tefar qui rentre dans l'eau. Ben minemata, ou bien tu le fais même en dessous. Tu mets depuis le sol du. Depuis même, peu importe, dans le sol ou bien dans que les 10 tefar soient entièrement dans le sous l'eau. D'accord? Ou bien, ouais. Non. Peut-être que je dis une chose pas exacte, parce que le parfum, il insiste, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, il dit que non, tu le laisses dépasser avec un tefar au-dessus. C'est-à-dire, si tu le mets tout au fond du puits, imagine un puits de 20 mètres, et tu mets tout au fond une mechitsa, je sais pas si ça marche. J'ai l'impression que ça marche pas, plutôt. Et j'ai pas vu le cas. Et maintenant, donc, le jos fidèle au bartenora, le bartenora m'a dit, tu le fais dépasser, et tu le mets sous l'eau, et tu le laisses dépasser de un tefar. Donc quoi qu'il arrive, pour le moment tu fais une mechitsa, soit tu la mets au-dessus, qui rentre un petit peu dans l'eau, soit tu la mets en dessous, qui dépasse un petit peu au-dessus de l'eau, ou soit même mieux que ça, ben mitoch ogno, qui est à l'intérieur de son espace. Je ne sais pas comment ça traduit le mot ogen exactement. C'est l'espace du puits, soit depuis le moment où il est limité par les bords du puits, et où l'eau n'est pas encore arrivée, ça s'appelle le ogen. Et alors là, tu dois mettre là-bas la mechitsa à l'intérieur. Mais si tu mets la mechitsa au-dessus des barrières du puits, alors là, ça ne marchera plus, selon cet avis. Tel est le premier avis de la Mishnah. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, sache qu'en réalité, il y a une marloquette. Bet Shammai Omrim Milemata. Selon Bet Shammai, il faut mettre la barrière sous l'eau, nécessairement. Il faut qu'elle soit au minimum 9 tefar sous l'eau, avec un tefar qui dépasse au-dessus. Ou Bet Hillel Omrim, mais selon Bet Hillel, non. On te permet même de faire Milemata, que tu la mettes au-dessus, et qu'elle te baigne un petit peu dans l'eau, quand même. Comme l'a dit, qui nous disait, au-dessus, de laisser un tefar. Un tefar rentré dans l'eau quand même. Donc tu mets 9 tefar et que ça rentre. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait la séparation à l'intérieur de l'eau, avec Bet Shammai qui en demande beaucoup, 9 au moins sous l'eau, et 1 au-dessus, et Bet Hillel qui dit, c'est pas la peine d'en mettre 9 au-dessus, même 1 sous l'eau. Mais quoi qu'il arrive, ça doit rentrer dans l'eau. Donc Rabban Shimon ben Gamliel, il y a un marmire, selon tout, il te dit que selon Bet Shammai et Bet Hillel, quoi qu'il arrive, il y a une grande khumra. Et Amar Rabbi Yehuda, et sur ça Rabbi Yehuda vient et me dit, non, l'ote mechitsa gdola mina kotav shebenem, rien de tout ça. La mechitsa que tu mets, elle ne peut pas être pire que le mur qui les sépare. Soit le mur qui les sépare, à partir du moment où il est au niveau même du sol, il sépare les deux domaines. Sache que au-dessus du puits, même si tu vas faire passer la barrière au-dessus du puits, et rien qui va pénétrer dans l'espace du puits, ni dans l'eau, ni même dans l'espace du rebord. Ça marche aussi de faire une barrière de séparation au-dessus. Donc tu fais ton mur qui te sépare, tu construis au-dessus un mur, même s'il ne rentre pas du tout dans l'espace. La halakha n'est pas établie comme Rabbi Yehuda, mais plutôt comme Tanakama, qui me dit qu'il faut nécessairement que ça rentre au moins dans l'espace du puits. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.